L'automne est une saison bien particulière. Elle marque la fin de la saison estivale et le début de l'hiver. Au pied du col du Mollard, dans la commune d'Albi-le-Jeune, des coups de marteau et de masse viennent perturber la tranquillité de ces paysages aux mille et une couleurs. Nous découvrons alors la salle communale, en plein travaux de rénovation. Voilà, alors aujourd'hui, on a entrepris la réfection de la salle communale. Et c'était une des dernières parties des bâtiments communaux qui n'avaient pas été rénovés. Donc après les bureaux de la mairie, après le garage communal, donc il restait cette salle qui était dans un état, disons, assez, je ne vais pas dire déplorable, mais qui avait 50 ans et donc qui avait besoin d'être remise à niveau. On a remis à niveau la salle, on a procédé à un agrandissement, ce qui fait qu'on aura une cuisine digne de ce nom, des sanitaires également, et, chose importante, des WC handicapés accessibles de l'extérieur, parce que ça manquait cruellement à Albier. Un chantier qui s'élève à 135 000 euros, dont 60 000 euros ont été pris en charge par le département et 30 000 euros pris en charge par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des contrats en mission région. La communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan ne reste pas en retrait puisqu'elle apporte une partie de son fonds de concours à hauteur de 12 000 euros. Des subventions indispensables pour la réalisation de ce chantier puisqu'il reste à charge de la commune plus que 12 000 euros. Et ce qui me permet d'ajouter, en ce qui concerne la communauté de communes, que Albi-le-Jeune, c'est la première commune de l'Arvan qui bénéficie de ce fonds de concours. Et c'est très symptomatique, parce qu'il y a moins d'un an, on réunissait les deux communautés de communes, avec beaucoup d'appréhension de part et d'autre, mais enfin, du côté de l'Arvan, il y en avait. Et simplement, là, on constate que la communauté de communes joue bien son rôle et que les appréhensions s'effacent. Hein. On aura peut-être encore un petit peu de temps, mais je veux dire, ça se passe très très bien. Un chantier qui devrait se terminer bientôt pour laisser place à de nouveaux projets de rénovation. Pour les années qui suivent, on a encore une salle à rénover, l'ancienne salle de classe qui se trouve à côté. Et puis, on pourra terminer par le ravalement des façades, ce qui fait qu'après cette opération, l'ensemble des bâtiments communaux, hormis la cure, auront été rénovés. Voilà, ce sera tout remis à niveau. Concernant l'ancienne cure, la remise aux normes de ce bâtiment par la commune est difficilement envisageable. L'équipe municipale réfléchit d'ores et déjà à la reconversion de ce bâtiment qui pourrait être transformé en gîte.